Il y a encore pas mal de trucs que j'ai pas essayé. En voûteur, j'ai jamais essayé en fait. Et juste, il y a des dégâts d'attaque des ennemis touchés. Ah non, c'est chiant. Allez, allez, ça tape vite. Je gagne, je gagne. C'était serré, bien joué. Vas-y, mes petites Twisted Fate. Portez-moi vers la victoire. Tu es en 1 au moins. Ok, mettez autant de dégâts que vous pouvez alors. Bien joué. Pente Sylvestre, c'est le seul truc que j'ai pas encore fait là-dedans. À part les 9 fanatiques, mais improbable. Kalista. Kalista, j'aimerais bien jouer Kalista. Je peux faire une petite compo fanatique là, vite fait. Paf, Galio. Super travail. Oh, j'en ai tué un, je crois. Oh, let's go, je crois que j'ai tué quelqu'un. Courage, Kalista. Pourquoi tu dashes pas hein? Pourquoi elle dash pas, Kalista? Regardez comme elle est efficace, Kalista. 1,96 d'attaque speed. Ouais, je crois que je veux tout miser sur elle. Vas-y, je la booste un peu. Je veux voir jusqu'où elle peut aller. Mais je ne trouve rien. Ah, duelliste, pourquoi pas. Un de ces jours. Fanatique, ombre. Double fanatique. C'est vrai que ça tombe assez bien. Ça tombe assez bien. J'ai déjà une petite équipe fanatique et je tombe sur Evelyne. Oh là là, vitesse de Kalista. Oh là là, oh bah, elle a un V9 là. Oh, comment elle déroule. Oh là là, Kalista un V9 là. Kalista, c'est vraiment trop drôle. Quand je l'aurais passé niveau 2, que j'aurais un Runan. Bon là par contre, avec Focus Tamken, c'est pas ouf. Et encore. Oh, elle est vraiment trop bien. Elle est vraiment trop bien. Là, c'est Evelyne aussi qui fait du bon travail. J'avais oublié celle-là. On est sur un bon truc. J'ai Aatrox, là. Je prends Aatrox? Ouais. Ok, ça se passe pas trop mal, en fait. Pouf! Si je veux avoir 9 fanatiques, je pourrais pas avoir le buff dueliste, en plus. Mais il est trop bien, le buff dueliste. Attack speed, peut-être? Je peux? Ah oui, j'ai eu l'attack speed, celle-là. Hop, vas-y, tu vas gérer, tu vas gérer. Par contre, je trouve pas ma troisième Kalista. Hein. Ça ne veut pas. Pas mal, Kalista, je sais pas où elle est passée, mais... Par contre, j'ai l'impression que je perds cette fois. Galio. Bon travail quand même, Galio. Ah, ah oui, 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 oui. Je gagne là. Attends, mais c'est quoi cette auto? Elle fait trop mal, cette auto. Elle peut pas tuer TF? Ah si. Par accident, elle lui a mis assez de lance. Bah, ça fait trop mal. Alors, Galio, tu gagnes? Je comprends pas comment il lance son sort. Bon, c'est vraiment trop chiant à nier. Je sais pas comment il fonctionne, mais je sais que c'est bien. Faut faire beaucoup d'efforts pour jouer 9 fanatiques. Ça demande beaucoup de sacrifices. Elise au lieu de Fura. Elise, ça renforce ton Galio. Ah, en fonction du niveau d'étoile total de tous les fanatiques. D'accord, je savais pas ça. Ah, cette bonne vieille Kalista, c'est bon. Tu vas pouvoir te mettre à carry maintenant. Alors, ça lui fait... Ça fait 7% épée max. Je crois elle carry, là. 3900. Alors Galio, tu veux encore me sauver? Oui, je comprends toujours pas ce qu'il fait, mais... C'est super. TF, je lui... Ouais, je peux peut-être lui mettre un Morello à TF. Hein. Il est niveau 3, il pèse. Ah, les attaques de base. Je sais pas. Je sais pas si ça m'inspire. 1600, putain. C'est vrai qu'il lui faudrait de la régène et je peux plus faire... Je crois que je vais perdre, là. Mon pauvre Galio. J'ai hâte de le voir niveau 9, parce que là, déjà, il m'a pas mal carry. Allez, on fait ça. Ensuite, je peux faire Cap Solaire et Zephyr. Evelyne Cap Solaire, en vrai. Hein. Cap Solaire sur Yasuo. Non, il survit pas assez longtemps, Yasuo. Pour mettre plein de stacks de Cap Solaire. Alors que Evelyne, elle arrive direct derrière, donc elle met des petits coups de Cap Solaire. Voilà. Elle régène un peu Kalista. Bon, elle s'est fait désarmer. Ça reste longtemps, hein. Ouais, ça lui a un peu servi.
Oui, la cape solaire d'Evelyn, là. Ah merde, il est mort, lui! Oh non, là, si elle avait pu mettre son ulti. Hop, niveau 8, il me manque mon Zilean. Et ce sera bon. Et, ouh, des Evelynes! Ah, j'ai Jean aussi! Bah, ah oui, Jean, j'ai oublié qu'il était déjà dans mon équipe. Merci, Galaxing. Les vrais se souviennent de la véritable Evelyn cape solaire. Ah, moi, je jouais pas encore à LoL, mais j'en ai entendu de belles histoires. Ah, ça va facile. Facile. Kalista, les bons dégâts. Je pense encore un peu. Un tout petit peu. Putain, si j'ai Kalista. Oh, si j'ai Kalista niveau 3, ce serait insane. Tape plus, Kalista, tape plus. Voilà, c'est bien. Voilà, ça c'est la vitesse d'attaque que je recherche. Oh! Et comment tu fais pour ne pas les tuer? Elle a mis 1 million d'auto sur le chêne. Oh, Kalista. Il me manquera plus qu'une Kalista, est-ce que je la prends? Il n'y a pas vraiment d'item qui me fait particulièrement envie, et l'item qu'elle a est intéressant. Il veut pas se montrer, le petit. Le petit Zizi. Je veux mon Zizi. Oh, le Zizi, il est là, le Zizi. Il suffisait de l'appeler, on dit Zizi, Zizi, et il est là. Paf, les 9 fanatiques, ça va être beau, ça. Ah, il est pas assez en retrait, le Zizi. Oh, pff, la zone. Il a combien de PV, lui? 7000 PV, le Galio. Mais il massacre. Mais oui, il massacre. Ah ouais. Ah, c'est impressionnant, ça. Zilean, vraiment plus en retrait. Elise, elle peut être en front lane avec... Ouais, même plus Stutfate, qui peut être plus là, tout par là. Je pense qu'on est pas mal. Le Loatrox, il me manque une Evelynn, une Kalista encore. On essaie de les choper. J'ai toujours pas Pyke niveau 2. C'est grave, ça. Ah, Evelynn niveau 3. Du bon travail, ça. Ça fait déjà bien mal, Evelynn niveau 3, non? 1400. Ah! Oui, ça fait bien mal, oui. Il est déterminant, son niveau 3. Ah oui, vous avez vu ses dégâts? Change ta caméra de place. Oui, pourquoi vous me le dites que maintenant? Attendez. Vous êtes pas sérieux. Honnêtement, qui va me battre? Oh là là, j'ai deux Kalista en plus. Allez, j'ai la main de la justice. Je mets ça sur qui? Peut-être Jean, peut-être? Mais sur Evelynn. Ah, c'est un peu random sur Evelynn, non? Les attaques de base, ça lui sert pas grand-chose. Mais j'avoue que si elle met plus de dégâts avec son sort. Ses dégâts sont augmentés à 5460 contre les cibles qui ont moins de 50% de leur point de vie. Un petit 5460, ça je mets sur Aatrox. Tank un peu, hop, le petit Pyke niveau 2, il était temps. Alors fais attention à la Jinx là. Ah oui, elle tape fort Evelynn en fait, hein, même avec ses autres. Allez, 5400 sur la Jinx. Ça c'est fait. Mais la détermination sur Galio. On peut mettre des items sur Galio? Ah, ce serait marrant qu'on voit Galio ici et qu'on puisse lui mettre des items. Qui va pouvoir me battre à votre avis? Oh, lui il est bien parti. Attention à Galio. Oh, il met un bon 900 de zone, Galio. Oh là là. Oh, il met encore plus de dégâts que Kalista. Croustibat qui peut me battre. Je suis imbattable. Désolé. Il met une auto, il est OS 3 unités. Ah ouais. Faudrait que je regarde combien de PV à Galio. Voir de combien ça augmente à chaque. Regardez, lui, il était hyper proche de me tuer. Galio arrive et... Attendez, ses PV ne baissent pas. Ah, mais il est stun longtemps, par contre. J'arrive pas à voir combien de PV il a. Il a vraiment été stun 10 minutes et... Je peux pas voir, c'est... Il a 8800, je crois. Le Galio, quel enfer, ils disent. Paf. Il fait tantôt des dégâts physiques, tantôt des dégâts magiques. Oh, solide ce chêne, dis donc. Mais attendez, regardez. Voilà, Evelynn. Ah non, elle a mis que 1900. Ah oui, c'est chêne niveau 3. What? Il y a eu chêne niveau 3, cet enculé. C'est un truc de fou, en vrai. Regardez le shield qu'il a. Et il taunt 8 personnes, il a 4000 de shield. Ah, c'est con que tu lui aies pas mis beaucoup d'items AP.
tu lui donnes 100 d'AP et... Bonne game, je trouve. Putain, Galio, je pensais pas que c'était comme ça. Allez, bien joué.